Christian. Bonjour. Vous étiez déjà participant d'une Amazon Academy, je crois. Il y a 2 ans. Absolument, il y a 2 ans. Et vous êtes, je le rappelais, papetier au Havre. Alors, vous avez une expérience que vivent beaucoup de commerçants quand tout d'un coup arrive un outil qui s'appelle un tramway et que tout d'un coup il ferme les bureaux, il ferme les rues, il ouvre les rues et tout d'un coup le business s'arrête. On est en 2012. Oui. Et là, en 2012, effectivement, plus rien. Plus de travail, plus de business. Du jour au lendemain, quasiment. Oui. Enfin, pas quasiment. Mais du coup, qui a duré sur une période de 2 ans. Oui. Hein, puisque le Havre a fait son tramway en plusieurs étapes et nous, on était sur une étape intermédiaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait les talents. Il y a un de vos jeunes collaborateurs, je crois, oui, qui à un moment vous dit « Attends, il se passe un truc là. » Je ne sais pas si ça s'appelle Amazon ou autre chose. En tout cas, il dit « Ça coûte 39 euros par mois et on peut tenter le coup. » C'est exactement toute l'histoire. Vous, vous n'avez même pas pensé à ça vous-même? Je cherchais, mais non, moi je cherchais plutôt des solutions d'aller chez le client entrepreneur récupérer des commandes, disant bah, « Venez chez Neveu, on est sympa, on n'est pas cher et on est à vrai. » Et on fait le service. Et voilà, exactement, on fait des livraisons gratuites. Mais bon, on n'allait pas aller assez loin, assez vite. Et effectivement, cette opportunité de mon collaborateur Sébastien qui me dit « Mais on pourrait peut-être essayer Internet, pourquoi pas ?» Attention quand même, ça coûte 39 euros par mois, pourquoi pas. Et on est parti, donc Amazon paraissait être à l'époque, et je pense que ça l'est toujours, la plus simple d'adhésion et la plus rapide dans l'activité. Hein. Et je me souviens très bien avoir, dans les 15 premiers jours, avoir pris 70 commandes. C'est ce que vous m'avez dit, oui. Ah oui, oui. 70 commandes en 15 jours. Exactement. Alors, vous vous rappelez du début, la première photo de je ne sais pas quel cahier ou quel stylo, comment vous, les premiers, les débuts, c'est vrai que pourtant on fait attention à cela, mais non, on sait ce qu'on a vendu, puisqu'effectivement c'était les cahiers, la toute première commande, oui. Mais j'ai pas gardé, non, je n'ai pas gardé la feuille. Par contre, la première commande internationale, oui, ça on a gardé la feuille. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, le magasin a déménagé, voilà. Que vous êtes agrandi. Que Internet pèse d'un poids considérable. 60% de chiffre d'affaires. 60% de chiffre d'affaires. Ouais. Malgré l'évolution, effectivement, de notre. Et vous avez grandi, pourtant, vous avez doublé 2,5 fois la surface. Et exactement, c'est-à-dire. Vous avez embauché 3 personnes de plus, je crois. Alors oui, oui, par rapport à. Nous sommes maintenant à un effectif de 6 personnes. Hein, nous étions 4 il y a 3 ans de cela. On est passé à 6, on y va aussi doucement. Enfin, là, on s'est dit que, bon, effectivement, Amazon nous a obligés. Et nous a fait mieux travailler, donc on fait attention à ne pas aller trop vite. Ce que l'on fait, on essaie de le faire très bien. Hein, c'est-à-dire chaque petite enveloppe bien faite par nos soins, le petit morceau de scotch derrière. Je souris parce que, vous savez, moi, j'ai écrit il y a très très longtemps un bouquin sur cette thématique de la qualité de service. Oui. Et vous m'avez dit au téléphone, bah, on n'était pas bon. Bon, ça n'arrivait pas, pas très grave. Enfin, c'est pas que c'est très grave, mais globalement, c'était pas de notre faute. Oui. Et là, c'est juste plus acceptable. Parce que vous évoquez, c'est vrai qu'on critique parfois dans les mécaniques des plateformes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, cette mécanique. Et même, aujourd'hui, on peut plus aller faire quoi que ce soit, prendre un taxi, commander un téléphone sans qu'on vous demande votre avis. Simplement, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, ça met une pression phénoménale, vous me disiez. Vous êtes amélioré, vous avez été contraint finalement d'améliorer votre expérience client pour être à la hauteur des attentes de vos clients. Obligation super intéressante. D'être justement contraignante mais utile, très très utile, puisque du coup même ce que l'on fait là pour Amazon en l'occurrence, on le fait aussi pour tous nos clients entreprises, d'essayer de ne pas avoir de reliquats quand on va faire la tournée de livraison. Enfin, c'est même plus possible d'avoir des reliquats sur une commande, je veux dire, c'est un temps perdu, tandis que c'est vrai qu'avec ce système d'Amazon, enfin je veux dire, c'est simple, on est bon, on est bien évalué, on n'est pas bon, bah on est mal évalué. Simplement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir comment le digital a transposé totalement les règles du digital au monde physique réel. Absolument. Avec une capacité aujourd'hui de faire en sorte que cette exigence de qualité, de transparence, elle se transpose dans un business qui, historiquement, ne l'était pas en fait. Donc, oui, et puis avec un vrai sujet, c'est qu'on ne vous compare plus à un concurrent, mais au meilleur de tous vos fournisseurs aujourd'hui. Exactement. On vous compare au meilleur. Oui. Et on attend d'un petit commerce, on va peut-être en parler avec Victor aussi, la même traçabilité, la même exigence, la même capacité à répondre vite, à envoyer une facture quand on en a besoin, etc. Ça a vraiment changé le monde. Ça a changé les équipes et la mentalité de l'équipe aussi ou pas? Ah, complètement. On a des équipes, enfin, qui sont une équipe qui est vraiment super motivée. Parce que bon, maintenant, on est passé entre, maintenant, de 200, enfin, on fait entre 200 et 300 commandes par jour. Hein. Alors oui, justement, confinement, premier confinement, deuxième confinement, vous étiez déjà armé, vous saviez déjà faire de l'e-commerce. Et heureusement, on a eu une évolution énorme. Mais comment ça s'est passé, le premier et le deuxième? Quelle différence entre les deux
Alors, le premier, c'était vraiment l'inconnu. On ne savait pas ce qui allait vraiment être ouvert ou pas au niveau des commerces, au niveau des écoles, par exemple. C'est une chose bête, mais on a vendu... Parce que vous êtes très dépendant des écoles dans votre... En plus, oui, exactement. Bien sûr. Et donc, on a vendu des stocks de gouache incroyables. De gouache. Et si certaines écoles, à la rentrée des classes en septembre, n'avaient pas les gouaches, c'est tout simplement parce que la petite maison Neveu, le petit commerce au Havre, avait vendu tous les stocks français de gouache. Voleurs de gouache ? Oui. Vous réservez les gouaches, c'est exceptionnel. 300 boîtes de gouache que l'on vendait tous les jours. Donc ça, c'est le premier confinement, le deuxième confinement. Le deuxième se passe beaucoup mieux. Beaucoup moins de commandes, beaucoup moins de pression, puisque les gens ont le droit de sortir. Les écoles, on peut aussi les livrer, mais les élèves peuvent aussi venir récupérer des fournitures là. Les entreprises sont plus ou moins en télétravail. Donc il y a quand même une bonne activité même sur cette deuxième... Et ce qu'on peut quand même peut-être rappeler, parce que c'est un chiffre qui est complètement dingue, c'est que vous m'avez dit que vous avez fait en 2 mois et demi le chiffre d'affaires d'une année. Là. Oui, alors ce nouveau magasin, du coup, on l'a voulu, donc c'était un petit peu les étapes que l'on s'est dit, au lieu de prendre de nouveaux collaborateurs, on va déjà investir dans un plus grand magasin. Donc ce que nous permet de faire quelque part Amazon avec le volume d'affaires qui nous est apporté tous les jours, on va chercher, mais qui nous est apporté par Amazon, ça nous a permis du coup de pouvoir investir dans un très très beau nouveau magasin. Très bel outil, oui. Ah, sans ouais. baisser vos marges. Sans rien baisser. Ouais. Juste en ayant justement une meilleure qualité de travail. Et dans tous les domaines, une meilleure qualité de travail. Plus je suis ravi d'annoncer qu'il y a un commerçant qui va super bien. Je suis ravi. Qui va super bien. Si, il faut le dire. On se plaigne un petit peu, nous, les commerçants. Non, vous ne plaignez pas. Continuez à faire un super boulot. Il faut le dire quand ça va bien. Il faut le dire, ça fait du bien. Il faut des émetteurs de bonnes nouvelles de temps en temps. Victor Mazoyer. Les parents sont à la...